Allez, ça tout le monde, c'est Azuric Piracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 156 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent où on était encore en train de pourchasser Zelda, dans lequel, voilà, on y va petit à petit. Alors elle s'était rendue là, puis après elle s'était rendue au deuxième étage. En fait, on doit vraiment traverser tout le château pour aller la voir, tout simplement. Donc là, au cas où, il y a pas mal de monstres méchants. Trois gobelins noirs, donc on va devoir tous les éliminer. Donc on va même, je vais aller même mieux. Je suis désolé, mais... Pouah, voilà. Je suis désolé. Et du coup, on va faire ça. Ça sera plus vite. Cher. Et du coup, il n'y a pas un truc qu'on peut tournoyer sur nous-mêmes. Ça. Allez. Allez, 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 allez. Ok, déjà, on calme tout le monde. Ils ont enlevé l'amalgame, c'est ça qui est chiant. Oh! Taina avait des... Parfait. On va prendre le gourdin. Merci. Voilà, c'est fait. Eh ben dis donc. Que j'ai vu qu'il y avait un cop derrière par contre. Hein. Oh, on a certainement oublié peut-être des noix Korogu ou quoi, mais on a tellement de temps même pour les coffres et tout. On a le détecteur maintenant, donc on pourra tout récupérer en temps et en heure. Et c'est pas dans le chevalier, on se fait des dégâts. Pour les chevaliers d'Hyrule, cette épée symbolise le désir de protéger ce qui est précieux. Sa puissance d'attaque augmente quand il ne vous reste plus que d'un seul cœur. Ouais, donc il faut vraiment que je amalgame encore. Hein. J'ai pas le choix, il faut vraiment amalgamer parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Ça mène un cul-de-sac en fait, sinon. Déjà, ça c'est bien. On en a besoin. Ah d'accord, c'est juste pour ça quoi. Je vais aller voir là-haut quand même. Dans la structure là-haut, s'il n'y a rien. Ok, il y a des flèches. Ils aiment bien les flèches ici, vous voyez qu'on doit beaucoup les utiliser. Parce que là du coup on est là et puis après on va devoir aller de l'autre côté. Évidemment. Ça pas suffit. Moblin noir. On a déjà pris en photo, d'accord, les moblins noirs. Pas, vas-y. Tu veux venir? Ah parfait, ça m'arrange. Vous avez réglé une partie du souci, maintenant on va régler l'autre partie. Oula, oh oui, parfait ça. Merci. On récupère les matériaux de monstre par contre. Hein. Mais là en fait c'est ce qu'on était dans les... Il n'y a pas longtemps là. Le problème c'est comment on fait pour aller à l'autre étage là? Parce qu'on est au deuxième, mais pour aller au moins un... C'est là-haut le moins, c'est pas possible, pas là-haut le moins. Allez.
Ok, moi c'est bien ici, d'accord. Ouais, parce que j'ai du mal à comprendre parce que ce système là. Ok. Non. On appelle personne, j'ai dit. Oh là là, c'est compliqué. Comment on fait pour y aller là-dedans? Ok, si on peut grimper, ce n'est pas pour rien. Le jeu nous insiste qu'on doit grimper. D'accord, c'est ici. Ah, elle est là, cette pute. Mais pourquoi elle est méchante comme ça? Je comprends pas, Zelda. Encore? Ok. Ok, tu veux de l'eau? On va mettre de l'eau. Oh, bâtard. Oh, chaleur insupportable. Ok, no kind of problem. Anti-flamme, anti-feu. On a un anti-feu. Tu peux venir me souffler dessus, je m'en bats les couilles. Voilà. Corne les alphas de feu, ok. 15 puissances d'attaque d'amalgame habitées par le pouvoir du feu. Cette corne, lui, d'un éclat caramin, vous pouvez l'utiliser dans le Zermatt ou mettre au profit ce pouvoir l'étachant à une arme. Que de les alphas de feu, pourquoi pas, 10 puissances d'attaque d'amalgame. Cette queue a emmagasiné la chaleur des plus brûlantes fournaises attachées là à une arme pour avoir une attaque à distance. Pour pouvoir attaquer à distance, vous servez-vous en pour préparer un remède. Ok. Bon, par contre, Zelda, je t'adore, hein, mais c'est bon là, les ennemis, faudrait que tu viennes quoi. Parce que là, c'est chiant. Hop. Alors par contre, est-ce qu'on a des choses à prendre en photo du coup? Prendre. Alors ça, non, mais d'accord, mais oui. Oh, l'épisode 200 va durer 1000 ans. Va durer 1000 ans. L'entrée de rien là, ce que je lui dis, quand de les alphas de feu. Il va durer 1000 ans, je vous le dis. Hein. Ok, donc allez où maintenant? Étage numéro 3. Ah mais comment on fait pour aller là-bas? Eh oui! Je sais pas comment on fait moi pour aller là-bas. C'est fermé ici. Oh là là, c'est pas dans la garde royale. Il faut arrêter avec les armes comme ça. L'entrée a été créée dans l'esclavédie. C'est pas dans la garde royale. Espadon de garde royale, 32 de dégâts. Cette épée et prototype est destinée aux gardes royaux, a été forgée dans un métal raffiné. Son attaque gagne en puissance quand elle est sur le point de se briser. Alors ça, c'est une arme à mettre quand on est ultra cheaté. Ouais, parce qu'en fait là, je vois pas comment on peut passer de l'autre côté. Parce que ce côté là, je vois pas comment y arriver. Moins 3, ça veut dire que c'est en bas. C'est en bas normalement. Donc ce côté, attendez, moins 3. Donc si on vise bien normalement, ce côté là, il est censé y avoir une entrée. Ah, elle est là l'entrée. Elle est là l'entrée. Par contre toi, je suis désolé. On va y arriver, molo. Mais il a pas voulu le surprendre. Ah, par contre on va tomber là. Mais t'es con. Thanks. Mes matériaux, merci. Donc là on sait que l'entrée est par là. L'entrée, ah là. Ça c'est une chasse à la sorcière ici. Oh con. C'est quoi? Y'a quoi là-haut? Ah d'accord, c'est un bon. Ah merde. Ok, c'est un moblin. Un moblin de je sais pas quoi là. D'argent là. Oh fuck you. Oh mon dieu. Oh mon dieu. L'entrée est écrite dans ce que j'ai dit, moblin d'argent. Ouais, d'accord. Oh là là. Oh bah par contre on va prendre une arme assez badass, hein, je vous le dis. Allez, Xibis, bonjour à toi sur Super Smash Bros. Ultimate. Non. Hors de question, on le stun un peu. Enfin, il brûle, c'est parfait. Oui. Alors, attendez, il y a plusieurs choses. Ça.
cornes de bobline d'argent. Oh, tous les photos qu'on a pris. The. L'entrée très grave, ce que j'ai dit, cornes de bobline d'argent, je vous le dis. Hein. Cornes de bobline d'argent 33 de puissante attaque d'amalgame. C'est une corne qui a poussé en spirale, elle dure comme la bière attachée là. Elle est dure comme la pierre attachée là à une arme pour en augmenter prodigieusement l'attaque. Vous servez-vous-en dans un remède. Mon dieu, c'était compliqué. Hein. Alors, je sais pas ce que ça fait en allumant ça, mais ça fait pas une encore au goût ni rien, ok. Alors, du coup, que je comprenne, après c'est dans le troisième étage, ok. C'est de l'autre côté. Donc le côté là-bas, on y est déjà été. On sait à quoi ça ressemble. Y a rien là. C'est juste pour nous enculer la vie, c'est ça? Y a rien ici, ce côté. Non, s'il te plaît. On y va. J'ai vu un coffre. Je me suis dit, j'ai pas vu un coffre pendant une ou deux frames caché. Si là. J'ai revu ma preview pour savoir s'il y avait bien un coffre. Oh mon dieu, c'est pas dans le garde royal 32 de dégâts, cette épée prototype destinée aux gardes royaux a été forgée dans un métal raffiné. Son attaque gagne en puissance quand elle est sur le point de se briser. Mais là, j'ai l'impression qu'on est assez cheaté, hein, concrètement. Là, on a affronté un mobline d'argent, j'ai l'impression d'avoir plus avoir très peur. C'est très bizarre, mais j'ai l'impression de plus avoir peur. Alors, du coup, que je comprenne. Pour aller là-bas, normalement, on y est déjà été, c'est par le côté où il y a le Griorike. Non, je sais plus comment il s'appelle, mais... Parce que du coup, ce serait le côté par le bas. Ouais, l'escalier qui est là-bas. Mon dieu, c'est compliqué, hein. Par contre, elle nous fait balader, Zelda, hein. On est d'accord qu'elle nous fait balader, là, cette putain. Mon dieu, qu'est-ce que ça va être? On n'a pas vu les gants d'Eigas, j'imagine qu'on aura bien un moment d'Eigas, non? Oh putain, pas du tout. Oh, ok, d'accord. Bah super. Ok, on va avoir un léger problème si on ne mange pas. Ok. Ça, durabilité pas mal. Ok. Faut vraiment qu'on se mette... Ouais, on va après amalgamer, hein, je vous le dis. Vas-y, le temps que tu lâches les choses. Allez. Allez. Ok. Y'a quoi là-dedans? Incroyable, 38 de dégâts. Le roi offrait cette arme qu'aux chevaliers d'Hyrule ayant prouvé leur valeur au tir à l'arc. Sa somptueuse extravagance, ça n'était qu'elle que sa puissance d'attaque. Par contre, on en parle des armes cheatées là qu'ils nous donnent depuis tout à l'heure. Non, mais on n'en parle peut-être pas assez, mais il faut en parler là. Attention, hop, pas. Ah, super. J'ai marre de me faire baiser à chaque fois. C'est bon. Ça a l'air d'être la dernière vague. On a une carte de cutscene là. Link, viens à moi. C'est bien ça. Je t'attends. J'imagine qu'elle est au sang. Ah, je m'en doute. Mais attends, mais c'est le boss final. Non, mais c'est sûr que c'est le boss final. C'est pas le boss final. Je sais pas, moi. Oh. Bah, si c'est le boss final, on n'est pas prêt, hein, je vous le dis. Bouclier royal 55 de défense, ce bouclier. Parce que là, je trouve qu'on a des armes un peu trop pétées. Ce bouclier des chevaliers des liens affecté à la protection de la famille royale constitue une pièce d'ornement avec ses exceptions, en plus de posséder une défense élevée. Ok. Bouclier de garde royale, 70 de dégâts. Fruit d'ancienne technologie de ce bouclier peut repousser des attaques les plus puissantes, mais sa piètre pré-érinité le rend difficile à utiliser en combat réel. C'est abusé par contre, ce qu'on obtient là, on a obtenu toutes les meilleures armes du jeu en fait. Oh, vous imaginez pas quoi, on va les conserver longtemps, je vous le dis.
Alors là. Tchè. Putain, j'avais jamais vu cet arc. Ah bah parfait. On va rattraper le temps perdu. Ah non, ok, on l'a jamais vu, mais... On va juste, histoire de marquer le truc. Arc de pointe Boko, 12 de dégâts. Des os d'animaux ont été fixés au bois de cette version renforcée d'un arc Boko, le rendant plus solide et plus puissant tout en conservant sa légèreté. Mon dieu, c'est compliqué. Oh, je m'y attendais pas d'avoir le truc. Tu peux me l'attraper s'il te plaît? Merci. Y'a quoi là-dedans? Rubis rouge, mais rubis, c'est un aloe écarlate, vous fait chaud au cœur. Bon! Alors on peut y essayer d'y entrer. Mais est-ce qu'on va pas voir ce qu'il y a tout en haut par hasard? Ça serait bien, non? Allez, on va essayer. Hop, voilà. Alors, par contre, du coup... voir s'il y aurait pas des petites noix Korogu, peut-être, non? Non, c'est rien. Genre là-haut, là. Oh là là, par contre, la pointe. Elle est là-bas, s'il te plaît. Bon. On s'en sort pas trop mal. On arrive à escalader, mais c'est dangereux. Hein. Oh, monte! On pénètre dans la salle. C'est bizarre de dire ça, mais... Il y a une porte là-bas. Ma foi. On va d'abord aller là-haut, puis après on va aller voir ce truc là-bas. Mon dieu, c'est haut. Ah, mais une cloche. Eh, mais regardez, il y a un coffre. Là, il y a la cloche. Ok, on a bien fait de monter. Oh, mais il y a des coffres. Oh mon dieu, il y a des coffres de partout. Il y a quoi là-dedans? Wow. Saphir brut, un puissant amalgame, ce précieux minerai qu'on peut extraire de veines minérales présente une grande valeur marchande, il abriterait la puissance de la glace. Hallebarde de garde royale, 15 d'attaque, le prototype destiné aux chevaliers iliens est difficile à manier et manque de solidité, mais sa queue d'attaque augmente. Mais sa solidité. Voilà, non. Et manque de solidité, mais sa puissance d'attaque augmente lorsqu'il est sur le point de se briser. Je sais même plus quoi enlever. Par contre, on est d'accord, hein. La cloche, on va pas en faire quelque chose. Voilà. Genre, tu le mets. Voilà, ça, il fallait s'en douter. Au bout d'un moment. Mais dites-le, tu m'as trouvé. Noir Korogu, c'est un petit nain, vous êtes né un Korogu. Ça peut faire mille, par contre, beaucoup pour très bonheur. À la revoyure. Ouais. Il fallait s'en douter que ça allait être un truc comme ça pour cette Noir Korogu. On n'allait pas m'enculer la vie quand même. On va quand même aller voir tout en haut, même si je pense pas finalement qu'il y aurait quelque chose vu qu'il y a une noix Korogu là. Oh là là, mais en fait on peut rien faire ici. Non, on peut rien faire. Par contre, on va vraiment au sommet du truc, hein, je vous le dis. Oh. C'est quoi ça? On dirait limite un arc de lumière, c'est normal? Attendez, je voulais le prendre en photo, mais j'ai glissé. Sachant qu'on va bientôt s'arrêter. Allez. Stop. Arc du crépuscule. Qu'est-ce que c'est que cette arme? On en parle? Ah, comment ça, arc du crépuscule? Crépusculaire. Oh putain, j'arrive même pas à le prendre en photo entier. L'entrée de classe, que me dit arc crépusculaire. C'est combien? Arc crépusculaire, 30. Oh, ça fait un truc bizarre. 32 dégâts, armée de cet arc qui appartenait longtemps à la famille royale. Une princesse affronta un jour une bête du crépuscule avec le héros. C'est très style droit et loin. Eh, mais c'est dans Zelda Toilette Princesse! À la fin, quand Zelda affronte Ganondorf. Oh putain! C'est génial! Oh, je suis trop contente! Aïe aïe aïe! Hop, est-ce qu'on peut, à votre avis, monter là-haut directement? On peut pas monter là-haut directement. Bon. Bah, on a bien fait! On a bien fait, par contre, on en parle de la hauteur du truc. Je crois que c'est peut-être pas une good idée de faire ça. Attendez, on va se poser là-dessus après. Voilà.
Mais Link, t'es abruti ou t'es abruti? Tombe pas. Stop. Oh putain. Oh putain. Non, tombe pas là-bas. Ok. On va avoir un petit léger problème, je vous le dis, pour monter là-haut. En fait, il faudrait peut-être un peu plus d'endurance, donc on va y arriver, hein. C'est juste histoire de... Bah, genre, on se pose là, ensuite on va monter, voilà. Ensuite, on va essayer de se poser en haut du truc noir là-bas, donc on fait ça. Une fois que c'est fait, voilà, là on en aura beaucoup plus de l'endurance pour se poser mieux. Parce qu'on ne pourra jamais y arriver tout là-haut, sinon, comme ça. Voilà, genre tu fais ça comme ça. Voilà, comme ça. C'est une blague, j'arrive pas à me poser dessus. Top, pas bouger, voilà, pas bouger. C'est chaud. Y'a peut-être rien, mais... Y'a peut-être rien, mon cul, ouais, y'a peut-être rien, regardez ce qu'il y a. Une noix Korogu, voilà, c'est acté. Non, dites pas, tu m'as trouvé. Noix Korogu, ça peut être là, vous êtes donné un Korogu, ça peut faire 1000 par contre, beaucoup, pas très bien. Alors, on va y aller. Et du coup, ben les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, ben on se retrouvera dans l'épisode prochain dans lequel on ira en direction de Dame Zelda. D'ailleurs, l'épisode prochain qui tout simplement arrive normalement demain, les amis, à 20h. Il y aura deux épisodes demain. Vous aurez du coup un épisode à 20h et un épisode à 22h hein, pour l'épisode bonus, la vidéo bonus. Et du coup, ben merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 156 de ce Let's Play 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ce jeu est juste malade, ce jeu est juste fou. Et du coup, bah d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.